Et tout de suite, c'est l'heure, 12h08, Daniel Morin, c'est l'heure de la chronique de Daniel. Merci. Chers invités ultimes, chers collègues victimes, chère Isabelle, sublime. Oh, et enfin, pas. Cher public qui a dans les yeux la lueur du cousin qui couche avec sa cousine, pour la dernière fois, bonjour! Alors, Descan Sinclair, c'est fini, paraît-il. Anne est maintenant avec Dédé Manoukian. Si elle pensait se reposer, elle se trompe. Strauss-Kahn, quant à lui, se serait mis en couple avec une chroniqueuse à faible corpulence, présente ici et qui aurait fini par Salaud. Dire oui. Autre info, Carla Bruni serait enceinte. Là encore, on parle de Dédé Manoukian. Bon, d'habitude, ce genre d'info, ça me rend dingue, ça m'excite, ça me fait de la chair à chronique, je dis des horreurs, mais là, je m'en fous. Et pourquoi je m'en fous? Parce que ça y est, c'est la dernière. Dans quelques minutes disparaîtront à jamais de mon quotidien les visages familiers de mes collègues si chers à mon cœur. Bien sûr, de temps à autre, je les ai taquinés, je les ai houspillés, mais sans mauvaise pensée. Dans quelques instants, maintenant, chacun ira pousser une porte différente et pour beaucoup, celle du pôle emploi. Mais restons positifs quand même. Oui, soyons positifs, car qui dit dernière chronique dit aussi vacances. Ah oh oui, les vacances! Ah, oh, j'en pouvais plus de mes collègues avec leurs tronches de fauderche! Ah nom de Dieu, la cloche a sonné, c'est la grande récré! Oui, c'est la récré, avec les restrictions budgétaires dans le service public, alors ça va pas être l'éclate. Je crois que financièrement, pour mes vacances, j'ai de quoi aller jusqu'à Melun. Bonjour l'ambiance. L'année dernière, il y avait du pognon, j'ai été en Thaïlande pour la foire aux pédophiles, mais là, je peux pas. Bon, on va pas chialer non plus, hein. Allez, haut les cœurs, surtout que demain, les vacances, ça commence sur les chapeaux de roue. Demain, je suis invité par Richard Lornac à la Gay Pride. J'aime bien la Gay Pride. Tous les ans, à Paris, je fais deux défilés. Le 1er mai avec les communistes, le 30 juin avec les pianistes. Alors, l'année dernière, j'ai essayé la contre-Gay Pride avec les intégristes catholiques. Là, je serai franc avec vous, hein. Chez les intégristes, l'ambiance est quand même beaucoup moins festive. Je vais rencontrer une jeune vierge d'une beauté ébouriffante. Elle m'avait confié sa révolte tout en brandissant son crucifix à chaque passage d'un cortège gay. Je lui avais dit que j'étais d'accord avec elle, que tous ces déviants devraient aller brûler en enfer. Elle m'avait dit « Dieu vous bénisse ». J'ai pris ça pour une invitation, je lui ai touché son sein croupion. Mal m'en a pris. Elle m'a planté son crucifix dans l'œil en hurlant « Au secours, Belzébuth m'assaille et me saillit !» Je ne dois mon salut qu'à l'intervention de deux religieuses à moustache qui sont descendues de leur char pour me porter secours. Deux religieuses charmantes, Franck et Bruno, avec qui j'étais prendre le thé dans un sauna voisin. On s'est bien marré. Ah, je suis content d'aller avec Richard. Je l'aime bien, Richard Lornac. En plus, avec Richard, on a franchi une étape supplémentaire dans notre relation d'amitié. Il m'avait demandé de venir chez lui, le voir, pour me dire quelque chose d'important. J'y ai été. J'ai pas été déçu. Salut, Richard. Tu voulais me voir, mon lapin? Oui, faut que je te parle, Daniel. Bon, ben, je t'écoute. Ouais, tu sais, ça me rend super triste, moi, l'arrêt de l'émission. T'inquiète pas, mon Richard, tu vas rester sur Radio France, j'en suis sûr. Avec le talent que t'as, mon pote, on va sûrement te proposer de faire les 4 notes du top horaire de France Inter. Ah ouais, j'aimerais bien. Et toi, t'as des projets? Ouais, je crois qu'on pense à moi sur France Info pour une chronique d'économie internationale. Je devrais aussi avoir une chronique sur France Culture, l'horoscope, peut-être. Et Isabelle, elle va faire quoi? Ah bah Isabelle, ça y est, c'est fait, elle passe en quotidienne sur Cuisine Plus. Elle va présenter une émission de compétition culinaire, la Bolognaise Academy. T'inquiète pas, Richard, tu vas rester en contact avec tout le monde, un mec populaire comme toi. Ah non, mais les autres, je m'en fous, Daniel, ouais. Ils peuvent tous crever. Ah bah alors, Richard? Non, mais c'est toi qui vas me manquer. Bah, Richard, ne me dis pas que... Bah si. Non. Je t'aime. Mais depuis quand? Mais depuis toujours, je crois, mais là, c'est fort, Daniel, c'est... C'est vraiment très fort. Je sais pas quoi dire, Richard. Ben, ça tombe bien parce que moi, faut que je te parle. Daniel, j'ai envie que notre relation d'amitié, elle aille un cran plus loin. Je suis pas prêt. Non, ce que je voudrais, Daniel, en fait, c'est t'épouser. Richard, je suis ému, je suis flatté, mais ça va être compliqué. Tu n'es pas sans savoir que malgré la séparation professionnelle, je me suis engagé à continuer d'honorer physiquement Isabelle jusqu'à Noël prochain 3 fois par jour. Ça fait partie de son indemnité de départ. C'est avec en plus les vapeurs de Manoukian que je subis 3 fois par semaine. Et puis on n'est pas obligé de se marier, Richard. On peut se voir quand même. Oui, je sais, mais moi, l'administratif, ça me rassure.
Puis avec toi, j'ai des envies de long terme, de crédit immobilier, de livret A, de congé maternité. Oui, je comprends, mais tu sais que le mariage gay n'est pas encore autorisé en France. Eh ben, dans un an, ce sera fait. C'est dans le journal de ce matin. Bon, bah, je vais réfléchir. Ça y est, j'ai réfléchi. Oui, c'est d'accord. Je vous, Richard Lornac. Ouais. Vous êtes...